Stangoten, on est sur une nouvelle vidéo sur Frostborn. On va continuer à faire le donjon. Je l'ai fait avec mon pote DP, mais voilà. Le donjon d'Oda est très dur, je vais vous montrer aussi. Et je vous souhaite un joyeux Noël aussi. Bon, j'espère que votre Noël va être bien, que tout se passera bien, et voilà. Moi, c'est super. On va rentrer dans le sanctuaire d'Oda. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer comment faire le donjon très facilement. Avec juste des armes. Je vais utiliser des armes grises au début. Mais j'ai utilisé des armes vertes. Des armes vertes parce que j'ai plus assez d'équipements pour me créer des bâtons de soutien et de bâtons de combat. Alors j'y vais comme ça. Mais sinon, vous utilisez un bâton de combat et un bâton de soutien. Et après, pour le boss, pareil. Pour le boss, le tout premier boss. Et pour le deuxième boss, le nécromancien, vous utilisez un... Moi j'utilise le doigt. C'est très très fort. Alors, s'il y a un géant, vous le battez, vous faites ça. Vous faites un coup et vous reculez. Un coup, vous reculez. Un coup, vous reculez. Et voilà. Et après, je crois que ça... quand il fait son attaque spéciale, il fait un grand rond rouge. Vous dégagez. Si vous êtes dedans, le rond rouge, vous allez être assommé et vous pouvez plus bouger. Il va venir et vous mettre le dernier coup. Mais sinon, si vous n'êtes pas et vous tirez, vous faites plus de dégâts. Et vous faites ça tout le temps. Avec les drogues boucliers. Les drogues épées, vous faites ça, vous tirez avec vous. Et moi, j'ai une technique qui s'appelle la machine à laver. Il y en a un qui se met au milieu, et l'autre qui est comme ça, et qui tourne autour. Et l'autre au milieu, il fait des dégâts quand... Voilà. C'est une technique qui est bien. J'utilise avec mon pote, c'est trop bien. Après, moi, j'ai déjà fini, mais... Comme mon pote, je crois, il va venir, alors on va... Continuer le donjon de la première porte et peut-être faire le nécromancien. C'est ici. Hop. Alors. C'est un peu long, mais voilà. Je vais essayer d'utiliser presque toutes mes armes, mais si on arrive au boss, je vais le tuer et j'aurai tous ces trucs. Parce qu'on s'est dit, si on fait le boss tout seul, et si on fait le donjon tout seul, le loot revient à moi, revient à là. Et si on le fait à deux, c'est partagé. Mais on s'est jamais fait, on n'a jamais fait le donjon tout seul. Moi je vais le faire parce que j'en ai marre d'attendre. Pas envie de laisser. Il y a des mobs. Là, ma technique, c'est de toucher que un mob. Là, on va poser mes armes. Hop. Et voilà. Là, je vais changer ma classe pour prendre... Ça bug un peu, mais voilà, c'est pas grave. On va prendre tireur de pointe. Parce que avec tireur de pointe ou le mage de feu, il y a un tir qui est très bien. Voilà, et là, on l'a touché. Et là, vous faites tourner, hop. Et vous faites ça. Et vous faites tourner. Et là aussi. Je vais me toucher, mais voilà, c'est pas grave. En fait, l'arc, c'est pas très bien parce que c'est pas trop rapide. Il y a mon pote qui me parle.
Et vous faites tourner, et vous faites ça. Et là, hop. Là, si vous êtes tout seul, ben là vous vous soignez avec des trucs. Là, je ne veux pas prendre de dégâts, mais comme ceux-là avec épée bouclier sont très rapides. Vous faites tourner et vous faites des dégâts. Si vous avez plus de PV, vous faites ça. J'espère que vous entendez ce que je dis. Sinon, j'ai l'air con. Allez. J'ai même flemme là. Allez. Allez, il est bientôt mort. Je lui ai dit que je fais le donjon. Alors, maintenant, vous faites pareil avec ça. Le boss, c'est pareil. Le boss, en fait, il va venir, vous l'amenez ici, là-bas, hop. Et là, il y en a un derrière. C'est-à-dire, le boss, il est ici, et toi, t'es là. Tu attaques, hop. Et lui, il est là, qui court après l'autre. Et l'autre, il fait rien parce qu'il est trop rapide. Il est même presque plus rapide que toi, un petit peu moins. Mais voilà. Et vous faites tout le temps ça. Et quand il fait. En fait, il fait une attaque spéciale comme le géant de pierre, si vous connaissez. Il va faire une longue ligne droite. Et. Voilà. Et ça fait étourdi, ça fait mal. Mais lui, sa particularité, il fait très très mal. Et en plus, il est très rapide. C'est-à-dire que quand il fait son attaque spéciale, bah t'es mort. Si tu prends l'attaque spéciale, c'est sûr que t'es mort, même si tu résistes. Et il fait et son attaque, quand il te touche, bah ça fait défense en moins. Voilà. Bon, je crois que je vous ai déjà dit tout. Y a pas un petit mob? Ça, c'est un chaman. Si je l'appelle chaman, ça sert à rien de courir. Hein. Ils vont faire des dégâts de loin. Bon. Attends, je vais dire. Alors, moi, je vais. Je crois que je finis de vous dire. Ah oui. Et dans les corps, peut-être est-ce qu'il y est? Non, il n'y est pas. Mais dans les corps, là. Il peut avoir des emblèmes et vous le gardez. Ok, bon, il fait pas. Moi je suis le chaman alors. Voilà. Et maintenant, ça c'est une micro. Ok. Ah, il va arriver. Je vais ouvrir ce coffre. Alors, je crois ici, si vous ouvrez, il y a une grande salle où, et en bas, il y a le mont. Il y a le boss, je crois que c'est ça.
Bon, alors, je crois que je vais continuer parce que j'en crois un peu. Parce que sinon, ça va être long. Ouf. Alors, ça veut dire. Fuck. Ça va être dur. Si j'étais deux, on aurait divisé. Oh fuck, j'ai des bugs. On aurait divisé le nombre de drôles. Ça, de toute façon, c'est facile. J'espère que vous vous ennuyez pas. Vous faites le tour et vous pouvez le faire tout seul. Après, je crois que je vais arrêter la vidéo parce que je crois que je vous ai montré. Bon, on va tuer ces monstres et on va voir s'il y a des emblèmes. Comme ça, je vous montre les emblèmes qu'on peut avoir. Et fuck, je suis un peu nul. Vous pouvez attendre. Si c'est pas fait, mettez un pouce bleu. Si vous voulez rien, ça bug. Alors, voilà, lui il a pris un bâton de guérisseur et c'est plus rapide. Et on met, voilà comment on fait pour le boss. C'est la même chose. Un derrière, un devant. Mais voilà, c'est pas le boss. Et voilà. Là, il n'y a rien eu. Et je parie l'autre, il y avait quelque chose qui a pris. Non. Il va écrire. Alors. Bon, je crois que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais laisser un pouce bleu. Et abonnez-vous. Et la cloche si vous avez envie. Je m'en fous. Laissez un commentaire si vous voulez savoir d'autres choses. Bye.